Eh oui, chers téléspectateurs, de nouvelles découvertes archéologiques ont vu le jour grâce à l'exposition égyptienne de fouilles qui travaille à Alexandrie. Les chercheurs égyptiens ont réussi à trouver des débris appartenant à un quartier à la fois résidentiel et commercial à la région d'Al-Shatbi. Les ruines remontent à l'ère gréco-romaine. Cette découverte est spéciale parce qu'ils ont trouvé des éléments architecturaux qui nous révèlent beaucoup de secrets de cette ère. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Ayman Sedra, qui est expert en tourisme. Bonjour, Monsieur Ayman. Bonjour, monsieur Servin. Bonjour, monsieur Alors, Servin. premièrement, concernant ces fouilles, depuis quelque temps, on entend parler de plusieurs découvertes dans les, surtout sur le littoral Al-Kourniche d'Alexandrie, plusieurs découvertes datant de l'ère gréco-romaine. Cette fois-ci, on parle de zones résidentielles et commerciales. Oui. En fait, on remercie tous les responsables qui sont derrière ce grand travail, d'accord, et l'intérêt donné par l'État actuellement pour ces fouilles, Oui. et surtout encore le financement qui est derrière tout ça, parce que vraiment, c'est un travail qui coûte très très cher de faire toutes ces fouilles. Et surtout, toujours on doit faire un grand remerciement toujours pour notre président et docteur Mostafa Wazir encore, qui était derrière le travail. Oui. Et quand on parle d'après les fouilles qui étaient trouvées à Ishatbi, il faut savoir que qu'ils ont trouvé comme des magasins, comme des points de contrôle, tout autour de l'ancienne capitale. Oui. Tout autour de l'ancienne capitale. Ça veut dire que les caravans qui passaient pour rentrer à la ville s'arrêtaient devant la ville avant de rentrer, avant de passer le mur d'enceinte de la ville pour payer et pour être bien contrôlé par l'État. Alors ça nous donne une grande idée d'après un système de comptabilité des taxes qui existait à l'époque, encore un système de surveillance, encore et ça va découvrir, ça va révéler des secrets d'après la vie quotidienne à l'époque, à Alexandrie. Et ça, c'est, on parle de 2300, bon, de 2300 ans. Oui. Aujourd'hui, 330 avant Jésus-Christ. En fait, encore, ils ont trouvé assez de statues. C'est la première fois qu'on trouve à Alexandrie cette quantité de statues qui arrive à 700 statues. Entre eux, il y a des têtes pour Alexandre le Grand, encore des têtes pour les empereurs. Alors, vraiment, ça, c'est le début. Parce que comme ça, ils ont trouvé une ville, presque une ville, sous Chadbi. Et toujours, les guides et les archéologues disent que Alexandrie, c'est comme un millefeuille. Mais millefeuille de quoi? C'est pas un gâteau, mais c'est un millefeuille, c'est toujours de l'Antiquité. Oui. Il y a ce qui est grec, il y a ce qui est romain, il y a des grandes citernes, il y avait un système de canalisation entre les citernes à Alexandrie. Il y a assez de choses, on va découvrir des surprises et des surprises dans les prochains jours. Il y a une théorie qui dit que sous chaque pierre en Égypte, il y a des trésors. Comment vous voyez cette théorie? Ah, je vois que ça c'est vrai. Parce que comme on dit toujours, il y a toujours l'histoire, il y a l'Égypte. Mais l'Égypte était avant l'histoire. C'est l'Égypte qui a créé l'histoire. Oui. D'accord? Alors comme l'Égypte a créé l'histoire, parce qu'elle était avant tout le monde. Alors la civilisation reste toujours sous les poussières précieuses en Égypte. D'accord? Les poussières de ce pays, c'est des poussières précieuses, honnêtement. D'accord? Sous chaque pierre, il y a des paliers, si on peut dire, et des niveaux différents qui montrent, d'accord, des civilisations qui ont vécu sur cette terre. On a créé tout avant tout le monde. Les ancêtres de l'humanité entière ont vécu sur ce terrain, d'accord? Et vraiment, nous sommes fiers. On vit aujourd'hui en Égypte, toujours. Nous sommes fiers de notre civilisation et le monde entier, le peuple entier sur la planète doit être fier de ce pays, d'accord? Où se trouvent, d'accord, les traces de toutes les civilisations mondiales sur ce terrain. Oui.
Monsieur Ayman, en visitant Athènes, en Grèce, il y avait le musée archéologique grec à Athènes, juste à côté de l'acropole, de l'Acropolis. Et là, en entrant ce musée, il y avait des panneaux en verre qu'on marchait dessus, et juste en dessous, c'était la vieille ville d'Athènes. C'était les ruines de la vieille ville d'Athènes. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir un tel musée à Alexandrie? Il y a déjà un projet qui a commencé avec Monsieur Jean-Yves Empereur, qui fait des fouilles, oui. D'accord, proche de la citadelle, là-bas. Et il a trouvé toujours un temple sous la mer, et il a fait sortir assez de pièces. Il les a mis au musée national qui se trouve à la rue Fouette à Alexandrie. Et c'est un musée intéressant et on invite tout le monde à visiter. Il a trouvé des pièces de monnaie comme ceux qu'ils ont trouvé à Échallion-Cœur. Oui. Et en fait, il y a des pièces qu'ils n'arrivent pas à sortir parce que s'il va essayer de sortir, ça va se casser parce qu'elle est ensevelie par le sable. Mmh. Alors il y a un projet qui était bien lancé de faire un musée aquarium pour la première fois. Les gens, selon ce qu'on a entendu, je ne suis pas professionnel dans ce point, mais selon ce qu'on a entendu, qu'il y aura des tunnels qui vont passer entre les pièces, d'accord, sous la mer. Ça va être la première fois. Mmh. Un musée, c'est tellement intéressant. Aquarium, et on va voir les pièces. Ce tunnel va passer entre les pièces et les gens vont passer dans ce tunnel. Mmh. Mmh. On avait parlé depuis des années des fouilles avec des expéditions égyptiennes, 100% égyptiennes. Durant l'année 2018-2019, 2020 même, il y avait plein de découvertes en Haute-Égypte, en Basse-Égypte. Alors, comment voyez-vous le titre d'avoir des expéditions égyptiennes qui découvrent des fouilles et plein de monuments en Égypte? En fait, c'est toujours la direction. La direction est excellente actuellement et il y a toujours des stages, selon nos collègues qui nous racontent, pour comment découvrir, pour comment faire des fouilles, pour comment encourager les jeunes à travailler dans les fouilles jusqu'à qu'on a trouvé des résultats merveilleux aujourd'hui, comme vous voyez, avec les expéditions que je vois que... en bref, ça c'est notre trésor. Nous sommes... créer de la poussière de l'Égypte, et c'est nous qui devons chercher les trésors de nos grands-parents, ou de nos ancêtres, si je peux dire. Alors ça, c'est toujours dû à la direction excellente qui a encouragé les jeunes. Et en plus de ça, j'aime rajouter quelque chose. Il y a encore des très grands restaurateurs. Il y a des missions qui fait la restauration dans les églises, les anciennes églises, les anciennes mosquées, qui sont vraiment, vraiment, vraiment excellent et haut niveau, et même il impressionne les restaurateurs de tous les pays du monde. Est-ce qu'on peut s'attendre à un musée ouvert dans cette région de Chadbi? Pourquoi non? Mais c'est toujours, ça c'est pas entre mes mains, et je suis toujours guide seulement, mais c'est toujours, l'État ne garde pas un effort à faire pour vraiment que l'Égypte apparaisse au maximum des choses, si je peux dire, pour devenir comme une perle rare, d'accord, entre tous les pays du monde. Mm-hmm. Alors elle va devenir toujours une perle rare avec notre spécialité, c'est l'Antiquité. Monsieur Ayman Cedrak, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et de vos explications également. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en tourisme. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci, Samer. Merci, mesdames et messieurs, et à la prochaine.